take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distress. Stuck and I'm lazy, I think I'm just crazy. Stuck and I'm lazy, I think I'm just crazy. Stuck and I'm lazy, I think I'm just crazy. Stuck and I'm lazy, I'm just crazy. Mais en fait, le programme, ça a été de commencer sur un char cet après-midi. On a démarré près de la médiathèque. Ensuite, on s'est baladé un peu dans les rues avec différents DJ. Après-midi, la place était déjà noire de monde et on est pourtant au mois de novembre. On a la chance aujourd'hui d'avoir un temps superbe et c'est pas du stress ni de l'anxiété, c'est toujours du plaisir d'être devant du monde comme ça et de jouer. C'est la finalité de mon travail, c'est jouer les titres que je produis et voir les gens s'amuser et prendre du plaisir dessus. Voilà, on a démarré sur les chars. Là, on va récupérer d'autres affaires. On retourne au studio d'enregistrement et ensuite, on retourne sur la place du Capitole que vous avez vu juste avant, où il y a la grande scène. Et là, je vais rejouer tout à l'heure et ensuite, on prendra l'avion pour aller à Lyon. Allez, à tout à l'heure. Étant donné que c'est la candidature de Toulouse pour Capitale Culture Européenne, ils ont mélangé tous les styles de musique, d'artistes. Et évidemment, ça va finir par l'électro. Et moi, je jouerai tout à l'heure à 21h30. Ensuite, on est emmené directement à l'aéroport de Blagnac où on prend un jet pour aller sur une soirée de Lyon que vous allez voir tout à l'heure en image, où je joue avec Greg Cerone, David Vendetta, et moi je jouerai aux alentours de 3h du matin. On va vous montrer également les images. Là ici vous êtes dans mon studio où je prépare le nouvel album qui sortira au mois d'avril.
tu sais, sur les grandes scènes comme ça, faut jouer pour Marcel avant. Ça va, c'était sympa, hein, pas mal. Ouais, super. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Top, top, top. On peut se prendre en photo, s'il vous plaît. Vous voyez où c'est le terminal pour le jet ? Ouais, ouais, bien privé, ouais. Ah, super. Alors là, on vient de finir place du Capitole. C'était énorme parce que pour le mois de novembre, avec le froid qu'il faisait, je pense qu'on a atteint les 12-13 000 personnes. Là, on récupère le jet et on va directement à Lyon pour le parc des expos où je joue après Greg Cerone, David Vendetta. Je jouerai à 4 h du matin. A tout de suite, ciao. En France, mon plus beau souvenir au niveau, enfin mes plus beaux souvenirs, c'est ça a été avec Armand van Delden à Bercy, où là c'était la première fois que je jouais devant 10 000 personnes à Paris. Et ensuite, j'ai enfoncé le clou, je pense, avec la fête de la musique à Toulouse, où là 22 000 personnes, ça a été mon record en France. Voilà, 3h moins le quart. Là, on écoute Greg Cerone. J'attaque à 3h30. Dernière ligne droite de cette soirée marathon. Je l'ai envoyé pendant 2 heures et vous aurez été avec moi pendant 24 heures. Regardez ce qui se passe. Il y a 17 ans, quand on a commencé la musique électronique en France, c'était dans des petits endroits, c'était underground, c'était pas populaire. On faisait peur un peu à tout le monde, un peu comme les effets du rock'n'roll quand c'est arrivé il y a une cinquantaine d'années, où ça a été un peu peur. Et quand on voit maintenant les Doors qui font partie de la culture musicale mondiale, j'espère que la musique électronique en fera partie d'ici quelques années.